les amis, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc chaîne Carpe Passion Loulou Tranquillou. Donc j'espère que tout le monde va bien. Toutes les personnes qui me suivent, je les remercie encore. Voilà. Donc comme vous avez vu, ce matin il fait bien froid. Donc et encore je suis pas venu de bonne heure, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on arrive vraiment dans la période froide. Donc période un peu compliquée pour moi, c'est pour ça que je suis pas venu de bonne heure. Donc je suis arrivé là, il était 10h. Parce que comme vous savez, je suis handicapé d'un bras. Donc ça se voit pas forcément. Hein. Qui dit handicapé dit pas forcément dans une chaise roulante. Donc j'ai eu tous les nerfs du bras coupés, sectionnés lors d'une agression. Et maintenant, voilà quoi, j'ai tous les nerfs du bras et puis les nerfs des doigts sectionnés. Donc j'ai bien été me faire opérer pour que ça remette tout ça en place. Mais on m'a bien dit que au fur et à mesure, ça allait être compliqué pour moi. Donc maintenant quand il fait froid, j'ai la main qui se bloque et le bras des douleurs. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je le dis. Donc j'adore cette saison, hein, la pêche en cette saison, mais le problème c'est que pour moi ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça me fait bien chier les amis, croyez-moi. Si j'aurais pas ce problème là, je serais peut-être pas en train de faire des vidéos régulièrement et je serais peut-être en train de bosser. Donc je peux plus travailler à cause de ça, parce que bon, je me suis flingué le dos. Évidemment, j'ai forcé plus avec mon dos à cause du bras et puis du coup, je me suis flingué le dos. Et puis c'est mon bras droit et je me suis flingué l'épaule gauche, comme ça. Donc voilà, quand on veut faire le malin, eh bien, on finit par payer. Donc c'est pas forcément de ma faute, c'est dû à cette espèce d'agression là que j'avais eu. Et voilà, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc je regarde au fur parce que ça bouge le petit, il y a des chasses là. Donc sur cette vidéo, ça va être une pêche rapide. Bon, je suis pas venu de bonne heure comme j'ai dit, je suis venu à 10h. Donc j'ai attendu que le soleil se lève puis que ça se réchauffe un peu. Donc niveau des pieds ça va, mais des mains c'est pas le top. Donc là le soleil est en train de se lever, c'est impeccable. Ça va réchauffer un peu l'air et ça ira mieux d'ici une heure. Donc pêche rapide, pêche d'obstacle. Alors je vais vous faire voir tout de suite où sont tendues les cannes. J'en ai une tendue là, juste devant ces branches dans l'eau là, complètement à ma gauche. J'ai deux cannes tendues devant cet arbre dans l'eau. Canne tendue dans le trou là devant ça là. Voilà, je suis vraiment un rat en plus. Donc voilà où sont tendues mes cannes. Donc c'est pour ça que je regarde un peu l'activité de temps en temps, que je suis pas trop en train de regarder le cabescope. Alors c'est une pêche où on n'a pas le droit à l'erreur. Alors surtout quand vous pêchez comme ça, n'oubliez pas d'allumer vos détecteurs les amis. Parce que là, si le détecteur n'est pas allumé, ça ne pardonne pas. Donc surtout ne pas oublier d'allumer le détecteur. Il faut éviter d'être loin des cannes. Et la moindre activité qu'on voit sur le sillon de la canne ou même avant que le détecteur sonne,
Il faut réagir quasiment aussitôt. Si vous êtes 10 secondes en retard, c'est carrément parti dedans et vous y laissez soit votre tête de ligne, soit votre montage, ou soit vous loupez le poisson. C'est quasiment la casse assurée. Donc il faut vraiment avoir l'œil et au moindre bip, être vraiment 1 mètre maximum derrière les cannes, comme moi j'ai fait là. Surtout pas traîner. Donc pour les montages, pour ces pêches-là, le plomb inline est le meilleur, pour moi, est le meilleur moyen de pêcher devant les obstacles. Parce que ça pique. Le poisson, il n'a pas de débat, quoi. C'est vraiment contact direct. Si possible, des montages pas plus de 15 cm. 15 cm voire 10 cm. Bon là, moi j'en ai qui font entre 15. Allez, j'en ai deux de 15 et deux de à peine 20 cm. Donc ça peut encore aller. Mais surtout éviter les montages de 30 à 40 cm. Donc voilà. Moi j'ai deux montages ouais, qui doivent faire à peine 20 et deux de 15. Deux de 15 cm. Il faut vraiment que le montage soit court et que ça soit. Faut être réactif tout de suite. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué un petit peu ma façon d'aborder la pêche d'obstacle. Comme d'habitude, on va essayer de filmer un départ en direct et essayer de vous reprendre avec un poisson, si possible. Donc alors là. J'ai oublié de le dire, je suis dans un endroit que j'ai jamais pêché. Je connais cette fouille parce que c'est la vidéo où j'avais fait la pêche dans nos bottes là, il n'y a pas longtemps. C'était dans la même fouille. Alors, ils appellent ça une fouille, moi j'appelle ça un étang. Ouais, les poissons qui bougent. C'était complètement à l'autre bout là-bas. Donc là je suis plus vers la queue de l'étang où c'est un peu moins large. Peut-être un peu moins d'eau aussi. Donc s'il y a un peu de soleil, c'est possible que le poisson vienne se réchauffer là ou peut-être qu'il est déjà dans les branches en train de traîner. De toute façon, comme vous savez, ou ceux qui ne savent pas, la carpe, quand il y a des endroits où elle peut se mettre dedans, des endroits sales, des arbres dans l'eau ou n'importe quoi, c'est vraiment des postes à exploiter, hein, parce que le poisson. Surtout la carpe silure aussi qui aime ça, et même le cendre aime bien les saletés. Donc un peu tous les poissons aiment ça, donc voilà. Quand vous avez des obstacles dans l'eau, n'hésitez pas à y mettre une canne, parce que c'est toujours signe de bon spot. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour un briefing, ou peut-être avec un poisson, et j'essaye de filmer un départ en direct. Allez, à tout de suite les amis. Bon, comme vous avez vu, je sais pas si vous avez entendu le départ juste avant que je coupe. Du coup je suis arrivé trop tard. Bon, le poisson s'est décroché, mais pas de casse. Donc c'est ma canne de droite, celle qui est plantée dans le trou là-bas. Donc je vais la remettre et j'essaye de filmer un départ en direct. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, ça sera pas le capot aujourd'hui. Bon, j'ai oublié de préciser, je pêche à la bouillette la recette que j'ai fait là juste avant. Coriandre, fémugrec, pierre food, insectes, foie, krill et poissons. Donc, premier petit poisson, deuxième départ, ça fait super plaisir. Petite coco,
prise dans les obstacles. Allez, je vais la remettre à l'eau et j'essaye d'en prendre une deuxième. Parce qu'apparemment, c'est ce que c'est plus en grande eau là-bas que ça va. Et les cannes dans les obstacles en petite eau, pour l'instant, rien de. Mais bon, il y a un bon mètre d'eau, donc normalement, elle devrait y venir. On verra bien dans la journée. Allez, je vais remettre ça à neuf, je remets ça à l'eau. Voilà les amis, troisième départ, deux poissons au sec. Oh, ben, toujours à la mouillette coriandre fémur grec. Avec bien fou d'insectes, huile de saumon, krill, hydrolysate de krill, hydrolysate de poisson, du foie. Et bon, c'est pas des gros poissons, mais bon, ça fait plaisir. Bon, vous avez vu, faut vraiment pas traîner hein, pour. Ça, c'était grand temps que j'arrive sur la canne. Et elle est un peu plus belle, mais plus blanche. Là, par contre, qu'est-ce qu'on attrape comme feuille avec l'épuisette? C'est rempli de feuilles sur le spot. Pour remettre la canne, je vais m'amuser. Décidément. Elle veut pas. Voilà. Encore une coco. Beau petit combat et puis surtout au début parce que bon, elles veulent se barrer dans les branches, hein. Comme toujours. Allez, je la remets à l'eau et je remets cette canne. Il va falloir que j'écarte les feuilles pour pouvoir retendre. Bon, voilà où je dois retendre ma canne. M'a tout ramené là, c'est pas grave, on va se débrouiller. Bon ben là, de toute façon, là ce week-end il y a un téléthon ici, là, le téléthon de la carpe, donc il y aura plein de... Oh merde! Bon bah les gars, loupé. Bon voilà les amis, cette petite vidéo va s'arrêter ici. Donc résultat de ma petite journée rapide. Bon, je suis pas arrivé ce matin de bonne heure. Et puis là, je vais repartir assez tôt. La fraîcheur commence à tomber, là, puis je commence à le ressentir. Donc, bon, c'est pas évident de faire les coups du matin et puis les coups du soir maintenant, parce qu'avec le froid, et puis, comme j'ai dit au début de la vidéo, à cause de mon bras et puis de ma main, le dos, ça peut encore aller, mais là, la main, quand elle est vraiment froide, elle a du mal à s'en remettre après. Donc,
Résultat, 4 départs, 2 poissons. Bon, vous avez vu la pêche dans les obstacles. Il faut vraiment être au cul des cannes. Et vraiment prendre contact tout de suite avec le poisson. Donc c'est pour ça qu'il faut pêcher avec des montages assez courts. Pour que dès que ça prend, que ça fasse sonner le détecteur aussitôt et que le poisson n'ait pas le temps de réagir, partir de trop vite. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin de conseils ou s'il y a quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, je suis preneur à 100% comme d'habitude. De toute façon, c'est pour moi, c'est le partage, hein, c'est le premier truc, la chose la plus importante. Donc voilà. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est entièrement gratuit. Encore merci à tout le monde, toutes les personnes qui s'abonnent et qui vont s'abonner. Et toutes les personnes qui me suivent qui ne sont pas forcément abonnées. Donc automatiquement, ben, ça fait des vues. Hein. Donc voilà. Surtout, pensez à mettre des petits pouces bleus. Plus il y aura de pouces bleus, plus mes vidéos seront mises en avant et plus ça fera avancer la chaîne. Donc voilà. Je vous remercie à tous. Portez-vous bien. Allez à la pêche. Allez, ciao, bye bye les amis.